キレウスチャージショット。シュートコースは読んでいます。無駄でしたね。L'histoire est en marche, les amis. L'histoire est en marche. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de Captain Tsubasa Dream Team. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, grosse mise à jour du jeu. Mise à jour au niveau même du système de pub qui est revenu à l'ancienne et on peut enchaîner les pubs, etc. Ça fait plaisir enfin depuis le temps que ça l'a clamé dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux et sur Twitter, Discord. Enfin, c'est de retour. Is back. Ok, on va voir un peu ce qui se passe aujourd'hui. Il y a 3 HA, Tsubasa V2, Diaz V2 et Schneider V2. Bon, que des V2 aujourd'hui. Alors, le nouveau Shingo, on va voir. Vous ne vous inquiétez pas, on va aller les voir. Les nouveaux, tout nouveaux personnages inédits. C'est la première fois sur Captain Tsubasa Dream Team qu'on a des joueurs inédits créés pour le jeu. Voilà, qui ont été validés et supervisés par Takahashi Sensei. Voilà, donc il y a une campagne d'autographes. Oui, je sais qu'il faut retweeter sur Twitter et tu peux gagner un autographe des doubleurs de Fernando Gardel, je vais y arriver, et Achilleus Romano. Voilà, portail rouge, information. Attendez, on va voir l'information. Le portail allemand qui revient. Le petit Schneider bleu que je cracherai vraiment, mais vraiment pas dessus, parce que je suis en train de monter une équipe bleue non-jap assez sexy. Et je t'avouerai que le petit Schneider, je cracherai pas dessus. Alors, on a le changement d'icône, voilà, changement de méthode de visionnage du pub, ça je vous l'ai dit. Activation d'une partie des compétences passives et potentielles aussi. Coup de doute, un corps et coup incendie, etc. Les passifs ont été modifiés. Ajout de la fonction Dream Championship. D'accord. Amélioration de certains passifs potentiels. Ok. Et d'autres bugs. Ok. On va voir les différents bonus. Donc là, on a un cadeau pour tous. Voilà. Donc on a un Romano qui nous offre. Bon, c'est un Romano coffre. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le vrai Romano. Voilà. Un Romano et un Gardel. Peut-être pour des events qui vont booster certains events. Aujourd'hui, on a 50 Dream Ball pour le premier jour et différents ballons noirs, un ballon avec le catch, avec le coup de poing, la frappe, le tackle, le dribble et 10 ballons noirs classiques. J'ai envie de te dire. Ça fait plaisir. Voilà. On va aller voir là-dedans. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Donc c'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue. Ah, on a des événements, on a un nouvel événement, ok, qui dure 11 jours. Et on gagne 5 Dream Ball en tout. 5. Bon, ça c'est 5 Dream Ball, là, pas beaucoup. Ok, bon, on va cracher dessus, il vient de nous offrir, pardon. Ah, si je parle français, ça serait pas mal. Il vient de nous offrir 50 Dream Ball, donc en tout 55, ça fait plaisir. Je sais que bientôt, j'ai mes 50 Dream Ball aussi, dans 4 jours. Voilà, dans 4 jours, j'aurai 1000... jour connecté dans le jeu, c'est énorme, même si je sais qu'il y en a, c'est pire, mais voilà. Donc là, il me reste encore ça à terminer, et ça aussi, ok, on va fermer, hop, ça, comme ça, ça sera fait. Hop. J'aime pas les petites bulles rouges, là, les petites bulles de notification, j'aime pas trop. Alors, les Allemands, Rising Sun qui sont is back. Ça peut m'intéresser par contre. Là, je t'avouerai que ça peut m'intéresser. Le Schneider, lui, m'intéresse fortement. Je ne vais pas te mentir. Ouais, il m'intéresse fortement, le Schneider bleu. Il arrive le 20. Le 20, je crois que c'est lundi. Donc, système de palier classique. Voilà, 5 paliers. Donc voilà. Mais... ce qui est bien aujourd'hui, le palier de Gardel et de Romano. J'ai 100 médailles Time Attack. Ah oui, c'est que Time Attack, il est fini. Peut-être que je vais pouvoir acheter des trucs pour. Comment il s'appelle ?
acheté pour, comment il s'appelle, pour le Muller. Pour le Muller. Ok, 50 Dream Ball. En plus, je ne l'ai pas fini, en plus, le Time Attack. Je ne l'ai pas fini. 482. Voilà. Allez, on va aller les voir. On va, vous savez ce qu'on va faire? On va commencer gentiment. On va prendre le bonus déjà. On va commencer gentiment par... par les nouveaux HA. Voilà, par les nouveaux HA. Alors, bon, ça, on va prendre. Bon, même si ça me sert un peu à rien. Bon, c'est pas qu'on prend quand même, c'est gratuit. Nouveau. Ok, donc un ticket SSR pour 9 euros. Ouais, pourquoi pas. Ça, c'est à vous de voir, les gars. Ah, voilà. Donc, voilà, le catch. Je sais pas combien il m'en faut. Bon, je verrai ça en off. Mais ça, ça va m'intéresser. Il va falloir que j'en achète pour terminer le... Le Muller, voilà. Alors, hop, on va aller dans le joueur. On va voir le Tsubasa en premier, vu que c'est le premier de la liste. Tsubasa. Le V2 que je joue toujours, hein. Je joue toujours avec le V2, hein, avec le Super Dream Fest V2. Il doit être vers la fin, je pense. Il doit être vers la fin, il est là, il est là. Il est là, il est haut. Alors, 1220 en endurance, très bien. Il monte à 9031 en tir, 8002 en dribble, 8002 en passe. 25538. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Puissance 7008, 7002 en technicité. Beau gosse. Vraiment beau gosse, le Tsubasa V2. Alors... Super cohésion, Jap, plus 15. Est-ce que... Ah, il est monté à plus 16. Il était avant, je crois qu'il était à plus 15, je crois. Ils ont rajouté 1%, je crois. Bon, ça change pas, pas de problème. Alors, il vous faut 3 joueurs japonais rouges et il donne 2% à tous les joueurs. Ça, très facile à activer. Très bien, Club. Merci, Club. Étourdissement, 30%. On prend un shield. On prend... Et ténacité, si le duel est perdu, le parme plus 5% lors du prochain choix de commande suivant. C'est-à-dire que si tu rates un dribble ou tu rates une passe, derrière, si tu récupères le ballon et tu la repasses à ce Tsubasa, il prend 5% sur ses stats. C'est fort. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Très rapidement, pas assez 40 000 ans là-dessus, mais voilà. Allez, on va voir le premier. Donc, on a dit le Diaz, hein, je crois que c'est Diaz, ou notre ami Schneider. Je crois que ça doit s'en mettre Schneider qui doit être là. Hein. Bah, non, c'est Diaz. Diaz. Puis, je l'ai aussi. J'ai les deux, mais j'ai pas le notre ami. Il est là, Diaz. Oh là là, 25 240, lui aussi. Pff. Ouais, c'est chaud, frère. C'est chaud. 1131 en endurance. 25140. 8008 en dribble. 9211 en tir. Il ressemble beaucoup à Tsubasa. Bon, Tsubasa est plus fort en attaque parce qu'il est à 8000. Je crois qu'il a 8002 en passe. On vient de le voir. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Super cohésion d'Anja pour lui, c'est 15%. Et 15% en pleine puissance. Ok. Alors, lui donne. Voilà, s'il vous faut au moins 3 joueurs, non, j'ai bleu. Très facile à activer. Lui, carrément, maintenant, il peut rentrer dans ma team bleu, non, j'app. 60%. Et là, ça risque d'être très sympathique. Lui, il rentre complètement. De toute façon, à la base, sans le HA, lui, il était dedans. Maintenant, il va encore plus avoir sa place dans mon équipe. Il a un shield, ok, bon, pas besoin de le regarder. Et il a un bonus de duel à chaque fois qu'une victoire en duel, je pense, et remportant en duel, tout paramètre 3% jusqu'à 2 fois. Donc si tu dribbles et que tu as réussi, derrière, tu as 3%, ce qui peut faire la différence quand tu tires, par exemple. Donc, par contre, jusqu'à 2 fois max, ça veut dire que tu peux monter jusqu'à 6%. Si je comprends bien la chose, c'est 6%. Ok. Non, là, ça fait plaisir. Là, les achats, ils sont pas foutus de notre gueule. Hein. Ils ont pas foutu de notre gueule, les mecs. Alors, Schneider, il doit être quelque... Bah, il est là. Hop. Le Schneider. Il va sûrement ressembler au Diaz.
Alors, le Schneider V2, il est là. Alors. Ouh. 10 838. Ah ouais, 25 686. Ah ouais, c'est un tueur, lui. Ça y est, c'est un tueur à gage. Le Schneider V2, tueur à gage complet. 1309 en endurance, les gars. Ah ouais, là, là ils sont pas foutus de notre gueule, les gars. Ils sont pas foutus de notre gueule, donc 15% pour les non-jap verts. Coup incendiaire, moins l'endurance et plus son intensité de TS augmente, 20% max, ok. Pas fan du passif, mais bon. Tier suprême monte à 500, ok, pas de problème. Lui, le lien, ça doit être, voilà, 3 non-jap verts et tu donnes 2% à tout le monde. Donc si tu joues une non-jap verte, il te faut lui pour optimiser la chose. Ok, donc récupération, étourdissement, 30% comme le Tsubasa, le shield et ténacité comme le Tsubasa. Voilà. C'est des bons... Franchement, moi, de ce que je vois là actuellement, c'est des bons HA qui ont été mis à jour. Franchement, les Super Dream Fest ont vraiment été mis à jour. Alors, on va aller voir les nouveaux joueurs. Donc, bien évidemment, système de palier avec 0. Voilà, première multi gratuite. Check mon ami Selmo, dédicace à mon ami Selmo. Lui, il a eu, je crois, Gardel, je crois. Si c'est bien lui qui l'a. J'ai vu ça sur Twitter, il y en a un qui est Gardel, première multi 0. Donc, très bien. Ok, allez, on est parti. Bon, on va commencer par le Shingo. Voilà, bon, on va commencer par l'ordre. Shingo, donc bleu, milieu défensif, exclusivement milieu défensif, Lombardi Junior. Club 1249 en endurance, très bien. 18 000 en attaque, 6002, 4006, 7140. Pour l'instant, c'est pas foufou. Voilà, c'est pas foufou, même en passe, pas foufou. 19 192 en défense, ça aussi, c'est pas fou non plus. Par contre, on verra derrière, peut-être que ça va booster ses stats, mais pour l'instant, ses stats à l'instant T, c'est pas fou. 8253 d'interception, voilà, et 7300 attaques. Donc c'est vraiment un joueur très défensif. Et 7400 en technicité, donc c'est vrai, c'est un vrai intercepteur. Voilà. Alors, lui, super cohésion, club. Donc voilà, donc si vous avez une bonne équipe club bleu, et vous cherchez du 20%, voilà. Après, pour l'instant, pour moi, le plus facile à mettre en place, c'est la super cohésion couleur. Que ce soit du club, pas du club, je sais pas quoi, couleur non-jap, non-jap ou jap. Voilà. Interception 70% que ça s'active, donc gros intercepteur, interception feinte et esquive. Feinte tornade à angle droit, je crois que ça on le connaît, et pas ce jongle. Donc là, ouais, à l'heure actuelle, si je dois mettre des TS, c'est ça quoi, c'est mettre des TS A pour utiliser un peu moins de stam et mettre la passe S. Ouais, pour l'instant, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. 2% pour tous les joueurs avec exactement 3 joueurs non-jab de type tech. Donc, type vert. Ouais. 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 Résistant à la neige. Ouais, si tu veux. Résistant au terrain cabossé, ok. Il a shield jusqu'à 2. Pas mal. 2 shields. Tueur d'attaquant et de milieu offensif plus 1%. C'est pour ça que, comme je vous ai dit il y a quelques secondes, ça se trouve qu'il y a quelque chose qui a boosté cette chose-là. Donc, on va dire quasiment son potentiel va s'activer, à part s'il tombe contre un Mickaël ou un joueur défensif, tu vois. Mais sinon, un attaquant en milieu offensif, il va, on va dire à 70%, il va toujours rencontrer un attaquant ou un milieu offensif. 20%, c'est sympa. Oui, c'est sympa, c'est sympa, c'est bien. Mais bon, c'est pas garanti. C'est pas garanti. Ouais, pas gros. Je suis pas grave fan du Shingo pour l'instant. Achilleus Romano, donc le tout nouveau joueur qui vient de tout juste de sortir du four, comme j'ai envie de dire. Rouge, attaquant milieu offensif. Donc je pensais que c'était vraiment un vrai attaquant, mais en fait non, il peut jouer aussi milieu offensif. Donc c'est très bien, comme ça au moins vous pouvez moduler votre team par rapport à lui. 1249 en endurance, 20887 en attaque. On est à 8259 en tir. Donc sa stat la plus, sa stat principale. 8113 en tacle. Donc pas mal, 7786 en interception, c'est pas dégueu,
c'est pas dégueu. Donc lui, c'est un bourrin, quoi. Si t'as bien compris la chose, c'est un bourrin. Ouais. Allez, on va voir Super Cohésion Jap, non Jap rouge 20%. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui cherchent encore les Super Cohésion rouges. Maître de la bonne lecture plus 40%. C'est fort. C'est très fort. Franchement, c'est très fort. Si tu essaies de le dribbler et qu'il t'a deviné et t'a mis attaque, tu passeras pas. C'est très fort. Très très fort. 40% très fort. Charge, tir chargé d'Achilleus. 475. Ça va. Ça va. C'est pas un truc de ouf, mais ça va. Le tacle d'assaut. 450. Très très fort. Dribble en angle droit. S, ok, passe puissante. Je lui mettrais peut-être une interception s'il y a une interception dans une boutique ou un truc comme ça. Mais voilà. S'il y a aussi une petite reprise, on cracherait pas dessus. Allez. Avec 3 joueurs Jap bleu, plus 2%. Donc déjà le nouveau Shingo qu'on vient de voir à côté. Peut-être. Ou n'importe quel joueur bleu. On s'en fiche que ce soit club ou pas club. Ouais. Pas facile à activer. Ouais. Alors, résistant neige et terrain cabossé, ok. Bonus de victoire. Quand il gagne un duel. Donc par exemple, s'il prend le ballon, par exemple à l'attaque, derrière il prend 15%. Ça commence à faire beaucoup. Les 40% qu'on vient de voir, plus les 15, ça peut faire beaucoup. Ça peut faire beaucoup. Et tueur de. Et plus tueur. Oh là 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 là. Et plus tueur de gardien. Ah ouais. Bon là ça tombe dans. Là par contre il faut faire des calculs. Faire des calculs, voir si c'est possible, pas possible. Bon voilà. Bon, facile à avoir, c'est. Comment ça s'appelle déjà elle? Machiko Machida. Ok. Non, il est intéressant. Il est intéressant. Il est pas dégueu. Il est pas dégueu. Mais il y a plein de paramètres à prendre en compte en fait pour qu'il soit au top du top en fait. Voilà. Bon, face à un gardien, ça tu vas l'avoir, pas de problème. Mais le duel gagné, etc. Ça, ouais, ça peut être intéressant. Uruguayen, Fernando Gardel. Donc, Athènes Espoir, comme son ami Romano. Donc, 1048 en endurance, 14822 en parade. Donc, coup de poing, 5417. Donc, ouais, sympathique. 9405 en arrêt, très très fort. Très très fort. En physique, 19500, on est à 7600 en technicité, puissance 5008, ça aurait pu être mieux, rapidité 6000, ok. Lui, il donne super cohésion, non jap, vert, plus 1%, tueur de tir, voilà. Donc si tu lui mets pas une reprise balle haut ou balle basse, il va prendre 10%. Si tu fais un tir à terre, il prend 10%. Donc... le tueur, en fait, lui, c'est le Tsubasa qu'on vient de voir. Le Tsubasa V2, il va le tuer. Voilà, il va le tuer. Voilà. Tsubasa V2 avec sa reprise avec Misaki, par exemple, il va le tuer. Vu qu'il est rouge. Donc forcément, avantage couleur. Il n'aura pas son passif. L'autre va avoir son passif parce qu'il aura le passif maître de la surface. Voilà. On a déjà trouvé le tueur de Gardel, déjà, voilà, par exemple. Après, il y en a d'autres hein, que je vous laisse chercher tout seul, comme des grands, mais voilà. Arrêt optimal 490, très fort, qui coûte pas très cher. 380, ça va. Arrêt à une main, bon, celui-là on le connaît, et double coup de poing, celui-là aussi on connaît. Arrêt optimal, on dirait l'arrêt, tu sais, dans Matrix, quoi. C'est, la balle, elle va au ralenti, comme un petit peu comme dans le film de Matrix. J'aime bien, en plus, j'aime bien la TS. Alors, avec au moins 5 joueurs Jap rouge, 2,5%. Lui il est vert, mais il faut des japs, il faut en plus des japs rouges. Ouais, ok, pourquoi pas. Résistant de la neige, ok, et pleine puissance, enfin quand vous êtes en full power, il prend 15%. Ah, là, ça peut, là, tu vois, tu peux jouer tactique, tu vois, tu peux jouer tactique, tu gardes ton full power, au cas où s'il y a un mec qui te met un gros, par exemple, le Tsubasa V2, il te met sa TS. Et toi, tu as envie d'essayer de voir si tu peux contempler le fait que tu n'es pas ton passif. Bah là, tu lances ton full power. Et là, il y a moyen peut-être qu'il l'arrête. Voilà.
À moins qu'il l'arrête. Non, ouais, c'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Ils sont pas dégueux, les joueurs ne sont pas dégueulasses. Bah dire, on va faire la petite DB. Voilà. Okay, ça sera fait. Ah. Rien ne s'est passé, les amis. Rien ne s'est passé. Ok, bon, ma DB n'est pas partie. Là comme ça les amis, je dirais ouais, le Romano n'est pas dégueulasse. Le Romano, même le gardien n'est pas dégueulasse, ça va, ça va. Ça va. Par contre, les HA des nouveaux des DreamFest V2, c'est ouf. C'est ouf. Il y a encore les Mexicains, ouais, qui sont là. On va booster un peu le truc. Ok, un ballon pour Pierre, pourquoi pas. Ok. On va faire la DB. Voilà. J'aime bien avoir des chiffres ronds. Tu vois, 480. Mais pour l'instant, je vais pas vous mentir, je sais pas si je vais aller les chercher, les joueurs. Les joueurs, je crois qu'il vous faut 270 Dream Ball, je crois. Non, moins, peut-être un peu moins. J'avais calculé, je crois 230. Je crois que c'est 230 Dream Ball, les amis. Attendez. Alors, on est à donc 40. 40 et 50, 90. Alors, attends. On va faire dans l'ordre. 100. 200. 240. 240 Dream Ball. Voilà. Pour avoir un des trois garantis. Voilà. Bon, on va faire la multi gratuite en espérant choper un SSR. Ça sera sympathique pour finir cette vidéo en beauté. Flèche bleue, deux pigeons. Et non. Non, il n'y a rien pour moi. C'est pas grave. Je vais voir en off, je vais voir, je sais pas, mais pour l'instant, les gars, j'ai pas envie de tuer mes Dream Ball vu que l'anniversaire arrive et vu qu'il y a le portail allemand qui arrive lundi. Le portail allemand m'intéresse plus. Je vais pas vous mentir que le portail allemand m'intéresse plus. Donc voilà. Voilà. Bon, je pense que les amis, on va s'arrêter là hein, pour la vidéo. Hein. Je pense qu'on va voir le système de pub. Alors, comment ça se passe le système de pub? Ok, donc en fait, tu peux les enchaîner tout de suite. Il n'y a plus le timer. Bah, c'est bien. C'est très bien. Les amis, on va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère que vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez au pouce bleu, ça ferait plaisir. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez des nouveaux joueurs, des tout nouveaux. Est-ce que vous aimez leur design? Est-ce que vous aimez comment ils ont été pensés, etc. Les notes, est-ce qu'ils vous intéressent? Si vous intéresse, comment vous pourrez les jouer, etc. Moi, ça m'intéresse de vous lire. En tout cas, je lis tous les commentaires. Il n'y a pas de souci. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Captain Tsubasa Dream Team. Ciao, ciao!